Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Pour finir un point en beauté, quoi de mieux qu'un bon smash gagnant? C'est parti! L'objectif, c'est de frapper la balle dans l'espace libre ou plus fort sur les côtés. Après la prise d'information, orientez votre corps dans son ensemble et déplacez-vous en position armée, en pas croisé et ou en pas chassé. Cherchez autant que possible à réaliser des smashs en gardant les appuis au sol. Lorsque le lob est très performant, réalisez votre smash en sautant, le plus souvent en ciseaux. Prenez appui sur la jambe arrière et retombez sur la jambe avant, tout en maîtrisant votre équilibre. Gardez votre bras libre longtemps en l'air pour ajuster votre placement et favoriser la bascule des épaules. Frappez la balle en extension et légèrement en avant du corps pour vous permettre de la rabattre avec une vitesse importante. Les actions de votre main et de votre avant-bras vous permettent encore d'en accroître la vitesse. Et enfin, replacez-vous le plus souvent vers l'avant pour être prêt à enchaîner un éventuel coup supplémentaire. Ce qu'il faut retenir du smash, une orientation immédiate du corps, un déplacement en pas croisé et ou chassé, un bras libre longtemps en l'air, un smash en appui ou avec un saut, une frappe en extension en équilibre, un replacement vers l'avant. Mon conseil pour travailler votre smash, pensez à bien vous ajuster en vous servant de votre main libre comme repère dans l'espace.